Est-ce que vous allez bien? J'ai pas entendu. Est-ce que vous allez bien? Yatta. Alors on va passer, maintenant j'ai fait les explications de la ville et de Shinjuku, on va passer à... alors, Sasaki Gatsukisano. On va faire, juste avant de faire rentrer les candidats, la danse préférée de Shinjuku. Alors c'est un petit jeu de mots, parce que la danse de Shinjuku, il vient de Susaki, et vous savez en japonais pour dire aimer c'est Suki. Du coup ils ont fait un jeu de mots, Susaki ga Sukisa. Pas facile à dire, et on essaie de le dire un coup, Susaki ga Sukisa. Ça va ou pas? On essaye aussi fort, Susaki ga Sukisa. Yeah, ongaku starto. La danse de Susaki. Si vous voulez l'imiter, vous pouvez applaudir, c'est plus simple quand même. Dire puisqu'il ne s'arrête pas de danser. Soutenez-le, il fait chaud. Changeant d'atmosphère, on va accueillir les 9 personnes qui ont été désignées comme étant les candidats potentiels pour être élus ambassadeurs. Mesdames et messieurs, je vous laisse venir ici sous vos applaudissements. Ni les caméras, ni les gens. Essayez de faire un petit pas en avant. Bien ça. Ça va tout le monde? Ça va les ambassadeurs fidèles? Ah, ils font plus de bruit que vous, c'est incroyable. Ça va le public? Ça va vous? Ok. Ah. On va accueillir, juste pour les dire, ah non, peut-être avant ça, il faut qu'on fasse un tout petit tour de qui sont ces jeunes gens. Rapidement,
une petite présentation. Je suis machin, je voudrais aller à Susaki et représenter Susaki pour machin, machin, machin. Let's go, Alexis. Bon, bah moi, c'est Alexis, 25 ans, je suis bibliothécaire et blogueur. Et bah, j'aimerais bien aller à Susaki pour vous faire découvrir ça sur mon blog Voyage, vous faire découvrir la culture, les traditions, la nature et la cuisine surtout. Donc voilà, merci. Je garde le merci mien. Merci Alexis. Pour la technique. Bonjour à tous, moi c'est Frédéric Varech, j'ai 28 ans et j'aimerais être ambassadeur pour la ville de Susaki parce que je fais de la création images et vidéos, la photographie de la vidéo et j'aimerais bien voilà, être là-bas pour pouvoir filmer et prendre en photo et vraiment véhiculer toute la richesse de cette ville et voilà, pouvoir partager ça avec vous. Merci à tous. Merci Fred. Bonjour à tous, moi c'est Valentin, j'ai 26 ans, donc voilà, moi j'aimerais être ambassadeur pour Susaki, pour faire découvrir au monde entier cette magnifique ville, ses traditions, ses arts culinaires et faire vivre à tout le monde ces belles expériences autour d'une belle communauté. Bonjour, moi c'est Johan, j'ai 23 ans et si j'ai envie de représenter Susaki, c'est parce que moi, le Japon, c'est trop génial et j'ai envie de pouvoir partager avec vous d'autres choses que Tokyo, ce qu'on voit déjà sur YouTube à fond. Enfin, au bout d'un moment, le vrai Japon, c'est pas que Tokyo, c'est aussi les petites villes comme Susaki. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Aline, je viens de Belgique et j'ai 21 ans. Tout comme mes autres collègues, j'aimerais représenter Susaki pour permettre de faire découvrir cette petite ville qui n'est pas très connue. Bien sûr, goûter la gastronomie et prendre plein de belles photos pour la faire partager avec vous sur les réseaux sociaux. Merci. Bonjour, moi c'est Améline, j'ai 28 ans. J'ai déjà eu la chance d'être ambassadrice de la France deux fois au Japon grâce au cosplay et j'aimerais l'être encore une fois pour la ville de Susaki pour apprendre encore plus sur le Japon, pour en découvrir et vous faire partager ça avec moi sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram avec plein de photos de nourriture, de paysages, de tout ce qui fait Susaki. Merci. Bonjour, moi je... Oh, j'ai des amis! Il a déjà des fans! Bonjour, je m'appelle Alan, moi j'ai 33 ans, je suis président d'une association qui promeut la culture asiatique et le cosplay, on fait plein de jeux dans les conventions un peu partout. J'ai aussi un site sur l'entertainment asiatique, musique, drama, cinéma, et j'ai envie d'aller à Susaki pour faire la fête, pour leur montrer comment on s'éclate en tant que Français, découvrir la nourriture, manger, s'éclater, et après revenir ici faire une fête de Susaki pour qu'on s'éclate tous ensemble, goûter les spécialités. Est-ce que vous avez envie de faire la fête? Ouais! Merci. Bonjour à tous. Konnichiwa minasan, je suis Riku. Je suis infirmière. À mes heures perdues, je suis gameuse. J'aimerais aller à Susaki pour pouvoir m'enrichir un petit peu plus de la culture japonaise. Et j'aimerais pouvoir ensuite revenir en France pour faire partager à tous les gens de tous les pays ce que j'aurais découvert de cette magnifique ville. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, alors moi c'est Joël, j'ai 36 ans, je suis directeur d'une société en musique événementielle et audiovisuelle. Donc je fais venir des artistes japonais en France et j'aimerais être ambassadeur de Susaki tout simplement parce que j'aimerais développer des échanges, qu'ils soient scolaires, qu'ils soient événementiels ou autres, entre la France et le Japon et Susaki en particulier. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Merci à tous. Alors, est-ce que vous pensez après leurs explications, oui, ça devient dur, ça devient de plus en plus dur. Est-ce que vous avez envie d'aller à Susaki? Est-ce que vous avez envie vraiment d'aller à Susaki? Et vous avez envie d'y aller? Ouais. Hey, ensemble, on y va? Ouais. Ok, maintenant commence la cérémonie officielle. Vous avez vu, on est à Taiko. On va faire appel à une spécialiste du Taiko qui vient spécialement du groupe de Gamushala. S'il vous plaît, si on peut l'accueillir. Plus fort que ça. Comme c'est une cérémonie officielle, on va se mettre... Prenez un tout petit peu plus d'espace tous. Et alors, vous allez vous accroupir comme ça.
et attendre de voir qui d'entre vous sera le premier choisi pour être le premier ambassadeur de Susaki. Shinjuku, Dozo. Choisi un premier ambassadeur de Susaki, Alexis, sous vos applaudissements. Merci Alexis. Alors je crois que on va te mettre sur le côté. Viens avec nous. Il faut que tu prennes ça. Viens par là. Alors attends, on va passer derrière. Petite règle de la scène. On passe pas trop devant les gens, à part moi. Ah, finalement reste ici. Vas-y, viens là. Et tu montres ça. C'est Susaki qui est écrit. Donc voilà le premier ambassadeur. Un petit mot peut-être. Je suis obligé de faire cette mauvaise blague, mais comme j'ai eu un bol sur la tête, j'ai eu du bol quoi. Oh. Ouais. Eh, faut applaudir là. Et maintenant on va demander à Shinjuku pourquoi il a choisi Alexis. Grâce à son site qui était vraiment génial. Vous avez entendu ? Apparemment, Alexis, il a un super blog, un super site internet qui est top comme ça. Et donc, ils ont considéré que ça allait pouvoir les aider à promouvoir la ville de Susaki. On peut applaudir Alexis ! Je me demande s'ils sont payés là-bas les deux pour mettre l'ambiance. Merci beaucoup les gars, ça va être beaucoup. Ok, Sugiwa. On peut faire un petit... Oh. C'est stressant. Dale, dale da. Oh, omote lui kana. Oh. Le choix a été fait. Le deuxième ambassadeur de Susaki a été choisi. Il s'agit de Joël. Viens parmi nous, Joël. Toi aussi, tu as du bol. Tortue géniale. Ah, défilé de mode. Viens par là, on va te donner la même chose. Le petit... petit éventail bleu. Dans l'autre sens, on a deux Power Rangers de Susaki. Joël, un petit mot. Ben merci beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Et je ferai du mieux que je peux avec mon nouveau collègue pour représenter la ville de Susaki et développer des échanges entre les visiteurs français et les habitants de la ville. Merci à lui. Alors, mais alors, je vais finir par être dehors. Pourquoi Shinjuku, pourquoi tu as choisi Joël? Car monsieur avait appris beaucoup sur la ville de Susaki et surtout il avait une énorme passion, un énorme enthousiasme pour la ville. Vous avez compris ? Alors faites du bruit ! Ok. Là, c'est peut-être le moment le plus intense. Parce que il nous reste 7 candidats pour un seul choix. Musique. Oh. Oh. Je vous entends pas, j'entends que moi. Oh. Merci. Oh. Oh. Ah. Oh. Oh. Dale, dale. Oh. Oh. Attends. Le troisième ambassadeur a été choisi. Merci beaucoup. Il s'agit de Johan. On peut l'applaudir. Johan, tu viens par ici.
Je vais demander aux perdants, pour l'instant, vous avez le droit de vous lever. Rassemblez-vous par là-bas. Mais je m'occupe de vous après. Vous inquiétez pas. On s'occupe de vous. Alors, Johan, une petite impression. Waouh, merci beaucoup. Franchement, je suis trop contente. Merci, 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 merci. Merci à toi. Et Shijoku, pourquoi est-ce que tu as choisi Johan? Ah. Parce qu'elle chantait très bien. Parce qu'elle a une très jolie voix, c'est vrai, on l'a entendu hier. Je pense qu'on peut applaudir nos trois ambassadeurs. Une chanson, ils demandent une chanson. Tu nous en fais une? Ok.届けて切なさには名前を月を犯すノアレーション思いが重なるまで泣けずに悔しいけど好きで順調 Bravo! Bravo! Alors je ne sais pas si c'est maintenant que je dois faire ça. Si, c'est maintenant. Évidemment, tout ce concours est soutenu par la ville de Susaki. Du coup, les trois ambassadeurs, vous allez recevoir en direct d'ici un message du maire de Susaki. Shichou no message. Bonjour. Enchanté. Comment allez-vous? Je m'appelle Kosaku Kusunose. Je suis le meilleur de Susaki. この度のアンバサダー就任おめでとうございます。我が町須崎は日本文化あふれる町であります。須崎のキャラクター新宿と一緒にお待ちしております。Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup. Alors, bon, il remercie évidemment. Donc, vous allez faire un voyage tous les quatre avec Shinjo-kun à Susaki, à peu près en mars, parce que du coup, c'est une période où, a priori, les cerisiers commencent à éclore, ça serait joli. Et puis, même parfois, il reste encore la neige de l'hiver. Donc, vous imaginez la neige de l'hiver, le rose des cerisiers. Je pense que ça, c'est de la balle. On peut les applaudir. Alors, comme ça va être des ambassadeurs, ils vont devenir des personnages publics. Donc, s'il vous plaît, on va regarder maintenant chacun de leurs pages Facebook ou je ne sais pas ce que vous avez partagé. On commence par Alexis, c'est ça? Voilà. Ah ben là, c'était pendant que je disais les choses, vous allez les devoir faire. C'est ta page? Ouais, c'est ça. C'est la page d'Alexis, d'accord. Merci. Tu veux nous dire quelque chose dessus? Eh bien, c'est un blog voyage. J'essaye de traverser le globe, faire découvrir des destinations que tout le monde ne connaît pas forcément. Partager mes astuces, mes conseils, etc. Donc je vous invite à le découvrir et bientôt des articles sur la ville de Susaki. Merci Alexis. Mais maintenant, ici, tout le monde connaît Susaki. Donc n'hésitez pas à vous contacter sur Facebook, Twitter ou avec Alexis et Johan. Maintenant, vas-y, Johan, tu veux dire un mot? Bon, ça, c'est mon Facebook privé, mais j'ai une page aussi. Et sur ma page, vous pouvez voir principalement mes reprises de chansons japonaises, aussi quelques chansons originales. Et quelques costumes, des photos, voilà, des dessins. Très bien, partagez, likez pour avoir les infos, pour voir leur voyage et leur trajectoire d'ambassadeur. Est-ce qu'on peut avoir la suivante, Tsugino? Ça, c'est celle de Joël. Alors, ça, c'est ma page personnelle aussi. Donc, comme vous pouvez voir, il y a le logo de ma société, qui est une société de production musicale, événementielle et audiovisuelle. Et donc, du coup, je fais en sorte de faire venir des artistes, qu'ils soient musicaux, qu'ils soient sculpteurs, peintres ou autres, japonais en France. Voilà. Merci, Joël. Alors, il en manque un, du coup. Est-ce qu'on peut avoir la page de Shinjo-kun? Yassa! N'hésitez pas, voilà. Contactez-le sur Twitter, Instagram, Facebook, tout ce que vous pouvez.
Voilà, comme ça, vous aurez les nouvelles informations de Shinjoku. Normalement, je devrais tous vous voir avec votre iPhone. Ah, bah là, il y en a qui sont avec votre iPhone. Vous allez bien ou pas? Évidemment, on a eu des gagnants, mais on a eu aussi, malheureusement, des perdants. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas bons, ça veut dire qu'il fallait en choisir que trois. Mais on a un lot de consolation pour vous, on a un cadeau. Est-ce qu'on peut avoir, Tsugino Slide, un gros cadeau, voilà. Un present ogarimasu, là. Alors, on va vous le donner là, sur scène, mais vous n'allez pas l'ouvrir parce qu'il s'agit d'un couteau et qu'on n'a pas le droit. Voilà. On donne des couteaux aux perdants maintenant. C'est... Et donc, on n'a pas le droit. Non, mais alors, il s'agit d'un couteau. Comme j'ai expliqué hier, à Susaki, il y a une usine de couteaux traditionnels. C'est vraiment un savoir-faire ancien. C'est des couteaux de professionnels de cuisine. Si vous les entretenez correctement, ils vont durer de 50 ans à vie. Voilà. Donc, moi, je les ai vus. Ils sont sublimes. Et donc, j'espère que vous allez les apprécier. Voilà, on peut applaudir également nos 6 autres candidats qui ont eu beaucoup de mérite. Bonjour. Salut, vous êtes en direct là, c'est ça? Ah, super. Merci. J'ai pas entendu que vous les applaudissiez parce que du coup, est-ce que vous pouvez les applaudir? Merci beaucoup à vous, vous avez été super. Mais du coup, voilà, il ne fallait en choisir que 3. On peut remercier Shinjoku. La petite cérémonie. Sans musique, parce qu'on n'a pas prévu. Est-ce que tu veux chanter une chanson, Johan, pendant ça? Non, je rigole, je ne vais pas t'embêter plus. Ouais, merci. Merci à eux 6. On peut encore les applaudir? N'hésitez pas à quand même faire la promotion de Susaki, même si vous n'avez pas été choisi. On va passer maintenant à la photo des 3 ambassadeurs avec Shinjoku. Shinjoku to ambassadeur no issho no shashin torimashou. Ii desu ka? Koko kara? Doko kara? Ah, avec vous du coup. Vous venez par ici. Est-ce que tout le monde, vous pouvez vous lever? Ça fera une masse. On aura l'impression qu'il y a 8000, j'adore, il y a 8000 personnes. Tout le monde debout. Hop, 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 avec le danse de Susaki. On va prendre la photo. Caméra dans Coco, Coco Kala, venez chez moi. Est-ce qu'on peut lever les bras tous ensemble? Bravo aux 3 ambassadeurs. Et maintenant, on va prendre quand même une photo avec, voilà, les 6 autres candidats. Ah oui, bah vous aussi, ouais, évidemment. Avec les couteaux. Bravo à vous tous, vous avez été super. Merci à toutes et à tous, vous pourrez vous retrouver chez le Jokul sur son stand à l'espace Wabi Sabi. Merci beaucoup et à bientôt.